y aura quelque chose ou pas alors qui va se faire? Ah oui, oui. Ah, ah, oui, on peut pas rater ça. Il faut. Pas loin. Écoutez, il faut. Mais il faut que tout le monde soit en tenue, sauf moi et moi, limite, parce qu'on va représenter le taxi. Il faut qu'il y ait une voiture avec deux personnes à bord, un qui conduit, un qui braque. Et il faut une moto pour l'arrêter sur sa course. Et vous avez toujours pas de nouvelles de Black? Il restera à l'hôpital ce soir. D'accord, il revient quand? Oh, bah, là, bientôt, je pense, bientôt. Ok. Tu penses mettre qui sur le coup, moi? Bah, je pense Saphir, Soufre. Pourquoi pas Gold? Ok, let's go. Ça te va ou pas Il faudrait Gold, toi, là. Ouais, appelez-le sur son téléphone personnel. Ok, arrangez ça. Bon, pour éviter de faire trop de... Voilà, je vais aller devant la scène, hein. D'accord? Ouais, oui. Je vais y aller aussi, hein. Je reste radio, s'il faut. De Jonathan et de l'opération de la LSPD. Du coup, là, la LSPD, le commandant m'a dit qu'il allait annuler l'élection de... Enfin, la présentation du shérif. Oh, non, yes. Mais de toute façon, il fait que de la merde, le shérif actuel. Ouais. Et le commandant... Ça va, Johnson? Et le commandant, il était vraiment remonté, hein. Normal. En plus, il met des amendes beaucoup plus élevées de qu'est-ce qu'il devrait être dans le code pénal. Il met des amendes qui n'existent pas, aussi. Et du coup, il vient chouiner pour un breaking news. Pour un breaking news fake. Ouais. Sûr, c'est fake news, hein. Il est dans la sauce, hein. Ouais, non, mais... Qu'est-ce qui t'amène de beau, mon petit Johnson? Bah rien, justement, je voulais voir, là, le breaking news, il est un peu bizarre, hein. Pardon? Bah, comment t'as pu dire le nouveau shérif s'il est pas encore élu? Bah c'est pas moi, c'est leur message, hein. Mais c'est du putaclic. C'est du putaclic, c'est pour appâter les gens. Bah, c'est eux qui payent, hein. Je vais pas te mettre dans la merde pour rien, Jameson, hein. Non, bah, certainement pas. Bon, bah, je vous laisse, alors. Je vais... Bon, il commence quand son discours, là, putain? Bah, il va pas tarder, hein. Très bien. Ouais. Allez, à plus tard, messieurs, dames. À tout de suite. Oui, à plus tard. Bon, bonjour, monsieur Calédonie. Ah, y a pas de monsieur Calédonie ici. Ah, d'accord. Il me semblait que vous aviez dit ça tout à l'heure. Ah, négatif. Bah, vous appelez comment, alors? C'est Shérif Bellamy. Ah! Vous vous souvenez pas, je vous ai interpellé dans les tuyaux en train de vous balader en camion? Oui, non, mais bien sûr, non, mais. Dans les souterrains? Oui, non, mais. Excusez-moi, monsieur Pain de Mie, j'ai vraiment des problèmes en fait. Non, c'est pas Pain de Mie, c'est Bellamy toujours, ça a pas changé. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Non, mais j'ai des problèmes en fait sur les prénoms. C'est une histoire de mémoire, un accident, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? Bon, en tout cas, je vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Vous voyez pas ce que je voulais dire? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Bon, je vous dérange pas plus, monsieur Pain de Mie. Ah, merci, monsieur. C'est McGouache. Ah non, il n'y a pas de McGouache ici, je vois pas de qui vous parlez. Ah bon, d'accord. Passez une bonne journée. Bonne journée. Ouais, c'est peut-être la partie technique qui est un peu chiée, hein, parce que c'est pas encore fini de construire, mais bon. Ouais, ou la partie publique. Ouais, bon, ça, il manque les chaises. C'est ça, le public, bah c'est nous. C'est bon, t'as vu avec Manu tout ce qu'il y avait à voir? Ouais. Concernant les taxis, la livraison et les clients. Bon, super. Parce que tu sais, comme je te dis souvent, une entreprise de taxi qui roule, c'est une entreprise de taxi qui roule. Ouais. Alors qu'une entreprise de taxi qui roule pas, bah c'est quand même une entreprise de taxi qui roule pas. C'est vrai. Oui, tu nous rejoins au meeting et puis tu parleras avec Emmanuel pour voir pour le service taxi. Ok? Oui, bah fais un effort. Les voitures 4 places, oui. Non. Il y a déjà du monde sur place, reprenez vos patrons habituels. Putain, qu'il est conçu là. Ouais. Parce que j'ai une crise. Il y a plus de soucis, j'avais pas commencé, j'avais juste dit de vous rapprocher un tout peu. Quoi. Ah, parfait. Bon, avant de commencer ce meeting, monsieur, dame, voilà, je vous remercie tous sincèrement de votre présence. Hein. C'est un plaisir de nous réunir, de vous voir tous nous réunis ici. C'est toujours impressionnant de se retrouver devant autant de monde, hein, je pourrais. Nous voici réunis en ce mardi 26 novembre 2019 pour un meeting. À la fois traditionnel et simple, amical et convivial. À l'approche de cette fin de mandat pour le shérif en fonction, il est l'heure de pencher au renouvellement. Je dénigre, en rien le travail effectué à ce jour. Je tiens à ce que le shérif Bellamy l'entende. Mais je pense qu'il est important de préciser que la criminalité reste une de mes premières problématiques, de cette ville. En effet, le trafic de drogue et le braconnage sont des fléaux qui nous empêchent de vivre en sécurité. Le nombre de personnes décédées suite à des blessures par balle cette semaine en démontre. Je vais me mettre en place, je tiens quoi. Je suis sincère, il est donc nécessaire de prendre des décisions importantes. Et c'est à vous, chers concitoyens, et vous avez le devoir de voter. Pour info, je ne prends pas la tenue du. Je me présente donc devant vous ce soir pour vous exprimer mon envie d'améliorer votre quotidien. Je vous propose une ville plus sereine, d'améliorer la sécurité. Et le maintien de l'ordre. Ce maintien de l'ordre se fera dans le respect de tout à chacun. Les agents le du BCSO n'inspirent tout le monde. Pas totalement non plus ne répondez pas forcément si vous êtes au milieu des autres. Et je peux vous le prouver. J'ai eu un appel d'un biker qui me dit que. Ils ont des armes d'assaut. Qui me demande en main. Si on est en train de faire quelque alors chose contre les ballasts. Aucun lieu d'être. Aucun danger. Je crois pas, non prononcé. Et il me dit que des gens ont kidnappé des ballasts et se pensez font passer dans des taxis. Donc je lui ai demandé le numéro d'un des ballasts. En sécurité en voyant des hommes armés comme ça. Je vais l'appeler tout de suite pour clarifier tout ça. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Je remercie quand même le shérif Bellamy d'avoir accepté d'avoir fait mon discours ici devant vous.
échappe à l'étoubé. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de se rencontrer pour des questions-réponses au Bahamas Club, qui se retrouve au sud de la ville. Ça me ferait pour moi une joie de vous rencontrer les uns après les autres et de vous répondre à toutes questions. Et n'ayez pas peur de les poser, j'aurais pas peur d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, messieurs dames. Merci de m'avoir écouté. Je suis Mac Powell et je suis candidat pour le poste du bureau du shérif. Bon, c'est tout pour toi, Dawson, ancien pilote pro. Allez, on y va. C'est vu avec eux, c'est ok. Jameson ? Oui. Bien. Attends, t'es où ? On est là. Reste avec nos deux amis, là. Si apparemment, ils ont 100 000 sur eux. Quels amis, là ? Et Ashley et l'autre, là. Oh, ok, d'accord. Eh oui, t'as pas compris ce qu'on se disait à la radio. Mais de toute façon, ils vont devoir forcément, vu que c'est eux qui organisent, ils vont forcément aller aux Bahamas, 100%. Ouais, clairement, ouais. Donc, bah vas-y, je vais aller traîner avec eux. Ouais, bonjour, messieurs. Tiens, Ouais. C'est pour la personne qui nous a esquinté les véhicules. Négatif, on peut vous voir s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai eu un mal de crâne, je reviens. Ouais, moi aussi. Y a-t-il possibilité de vous rappeler le nouveau taxi? Je vous rappelle les taxis pour Je vous ai vu disparaître sous mes yeux. Expliquer. C'est triste. Allez-y, je vous écoute. Alors, attendez. Dites-moi, regardez. C'est dans le début. Un membre des taxis risque de mourir ce soir. Attention, j'arrive. Et c'est qui ça? Aucune idée. C'est juste pour vous prévenir de faire attention, monsieur. Eh ben. Effectivement, c'est pas très sympa tout ça. Affirmatif, c'est pour ça qu'on vous prévient. Donc, juste pour info, faites passer le message à tous vos employés. Ouais. Qu'ils fassent attention si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à appeler les services compétents. Ok. Soit la SPD, soit. Ah, effectivement, et ça fait peur, mais vous savez ce qui se passe ou vous en savez pas plus? Négatif, c'était juste pour vous prévenir. Oh putain, bah je vais appeler chaque taxi en circulation un par un. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci. Parce que en soi, mettre un mec shérif alors qu'il n'a aucune expérience, c'est un petit peu. C'est sûr, ouais, une batte dans le pied quoi. Okay, ça peut être bien aussi. Oh putain, attends, vas-y, je pars au Bahamas. Messieurs, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui veut tuer un membre des taxis ce soir. Ouais, on a vu. Ok. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est les Ballas ou pas? Cochonnerie. Aucune idée. Non, je pense pas c'est les Ballas. La et police est sur le coup au cas où. Et vous savez c'est qui ou. Aucune idée. Ouais, vous avez aucune idée de qui ça peut être alors? Non, aucune idée, mais des gars qui se font passer pour les taxis ont kidnappé un Ballas, donc c'est peut-être lié. Hein. Ouais, mais ça voudrait dire qu'on sait que les Ballas c'est la chauffeuse, la faucheuse. Justement, c'est l'inverse. C'est des gars qui se font passer pour nous ont kidnappé un Ballas. C'est pas quelqu'un qui s'attaque au taxi là, c'est quelqu'un qui se fait passer pour les taxis. Non, mais là, il y a quelqu'un qui s'attaque au taxi. J'ai vu sur le Twitter. Voilà, c'est qui ça? Mais je sais pas, pour l'instant il y a pas. Je crois pas qu'il y ait de taxi qui se soit fait choper. Hein. Bah ouais, mais on va pas attendre qu'ils cannent. Bah non, mais ils sont où les employés? Bah ils étaient là, ils sont tous partis, il faudrait que moi les appelle. Ah ouais, faudrait s'assurer de chacun d'eux. Ouais, ça fait flipper hein. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être qui? Attendez, y a Silver qui m'a dit que le véhicule est parti? Bah oui, ça fait 5 minutes que je l'ai dit, mais vous étiez tous en train de parler. Non, y a pas de soucis, y a Jameson qui les suit, ils vont au Bahamas, parce que ça continue la soirée, t'inquiète pas. Et ils vont devoir en sortir, ouais. C'est là qu'il va falloir les pécho. Y a une FAQ au Bahamas. Mais faut les choper maintenant? Bah ouais, ça aurait été mieux. Non, mais non, dis pas de la merde, y a deux voitures avec des G36 équipées, bah oui, putain, qui les suit de près, faut les sortir à la sortie, quand ils ont plus rien à faire là-haut. Par contre, moi, faut que tu reviennes. Hein. Il y a des motards qui arrivent dans votre direction. C'était bien le discours? Éclaté, frère. Nul à chier. Nul. Ah ouais? Oui, oui. L'un de vous connaît un Karachi. Je viens de voir passer en 4x4 du BCSO sur l'autoroute. Non, pourquoi? Mais gros, putain, parce c'est que moi. J'ai essayé d'envoyer un message. C'est toi? Et lis la suite des messages que je t'envoie, gros con. Ouais, mais ton numéro n'existe plus dans mon téléphone. Patron, message des taxis. Monsieur McGilligan, pouvez-vous m'appeler? J'aimerais vous demander quelque chose. Ok. 1252, le numéro. Allez, montez. Bah, je suis monté. De Gaulle, des souffres, on se dirige vers les Bahamas dans les secteurs. Ouais, pareil, de ça. Allô? Bonjour, je suis sur la route aussi. Monsieur. Oui, bon, c'était pour savoir, je me présente, donc Joe Pastel. Très bien. J'ai été recruté chez vous par monsieur Van Teng. C'était pour savoir, j'ai eu un gros problème cerveau en début de soirée et le taxi n'est pas à la fourrière. Je suis allé voir les mécanos pour ça et ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Ouais, il faudra attendre un petit peu de temps. Vous voulez bosser là, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour savoir si je peux prendre un autre taxi. Prenez un autre taxi disponible, il n'y a pas de souci. D'accord, est-ce que je vous communique ou... Par contre, ne refréquentez plus les routes où vous avez des problèmes cerveau. Très bien, voilà. Ouais, je fais attention. Ça marche, pas de souci, à très vite. Merci beaucoup, à très vite. T'es toujours avec moi? Oui, oui. Ça va? Mais ça commence à être chiant parce que j'ai tout fait en fait. Non, j'ai fait deux siestes. Non mais une fois en ville, je ferai une petite sieste s'il faut. Je suis à 500 mètres du Bahamas. On va aller près d'une boutique, quelque chose comme ça. Mets-nous près d'une boutique au cas où faut changer rapidement. Vu l'intervention. Ok, c'est bon. Tu me vois? Ok. T'es dans la voiture? L'individu? Oui. L'individu est au Bahamas. Ah putain. Oui.
Eh ben vas-y, allez. Mais je te vois sans barbe, on y va. L'individu est au Bahamas, mais il y a énormément de polios. Du coup, je voulais vous proposer une idée. Gold et Soufre attendent devant dans le véhicule d'interception. Dès que Silver nous donne l'info que l'individu s'en va, je déclenche une Sierra pour que les policiers partent tous en intervention. À partir de là, Gold et Soufre ils suivent l'individu et moi je les rejoins. Moi, il y a juste j'aime bien. Hein, on verra si monsieur m'en valide. Juste un truc qui me tracasse, c'est qui cette faucheuse? Ça fait longtemps qu'on l'a vu déjà en plus sur Twitter. Ah bon? Non, c'est la première fois qu'elle parle. Moi, je crois que c'est la première fois, mais. Moi, personnellement, j'ai jamais vu. C'est pas lié au message que t'as reçu, Saphir? Quel message? Les messages du gars qui t'a dit qu'il savait des trucs sur toi, je sais mais pas. Mais non, quoi, mais ça serait trop gros. Là, la personne parle. Oh putain, et moi je te vois foncer dans un nombre de voitures, t'imagines même pas. Bref, la personne parle en mode, il y a quelqu'un qui est obligé de mourir. Ah bah attends, si c'est tous les taxis, ça veut dire que c'est les balas qui sont tombés dans le panneau, c'est bolos. Non, non, parce que les balas c'est arrivé après le message, non, ça fait... le message, je vous relis le message. Un des membres des taxis risque de mourir ce soir, attention j'arrive. Un des membres des taxis. Ah oui, messieurs, lisez les messages correctement. Mais ça inquiète personne ça. Eh bien ça, c'était il y a une heure, ouais, à peu près. Ouais. Et depuis, il y a eu l'appel des balas, comme quoi ils s'étaient fait enlever un de leurs gars par quelqu'un qui se fait passer pour les taxis. Et tu les as appelés les balas? Ouais, je leur ai dit que c'était absolument pas nous, on était tous au discours de Powell. Ouais, ok, et alors? Et ils étaient ok, c'est Bob Blanc que j'ai eu au téléphone, ils comprenaient, je lui ai dit écoutez, on va pas... Donc, on joue pas donc, avec vous, comment ça? Les balas, c'était la fausse chose. Mais non! Ouais, bah non. Peut-être, on ne sait pas en fait. Bah, ça me non, paraît bizarre. Bah dans ces cas-là, si ça n'a rien à voir, c'est qui alors? Ouais, bonne question. Bah voilà, et ça, faudrait peut-être s'en inquiéter un peu. Je vais rappeler le balas. Putain, voiture silencieuse en tout cas. Fais du bien. Enfin, depuis chez Apple Radio, je viens de recevoir un mail anonyme de quelqu'un qui donne des infos sur le soi-disant futur shérif. Il aurait un profil psychologique très dangereux, suicidaire. Bah, je pense que c'est vrai. Ouais, y a rien de gold dedans. Bon, mais on va lui donner des couteaux, c'est bien. Vas-y, reste là, je vais faire pour faire des boucheries, donc... J'arrive. Gold, t'as accès à son dossier médical? Au pire, donne un petit coup dans... À qui? Dans ton crâne, si tu vois ce que je veux dire. Gold, si tu peux avoir accès au dossier médical du candidat au fauteuil de shérif. Apparemment, il a un gros problème psychologique. C'est quoi son nom? Powell. Là, je suis en train de guetter devant le Bahamas. Toujours aucune nouvelle de Ashley ou de John. Ok, nouvelle des balas. Le gars, le balas a été relâché. Et les mecs qui se faisaient passer pour des taxis, en fait, à un moment, on dit « Ouais, non, c'est une blague, on n'est pas des taxis, etc. » Donc, à part des branleurs, je vois pas ce que c'est. Ouais, mais les balas, c'est pas la faucheuse, alors. Bah, je pense vraiment pas, mais il y a peut-être une possibilité. Mais il faut quand même prendre des sanctions. Attendez. On peut voir qui a liké ou pas son commentaire, là? Non, on peut pas le faire. Ça demande les patrons des taxis par message de taxi. Ouais, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez appelé, le gars, Gallaghan? Ouais, mais ça avait rien à voir. Là, c'est un nouveau. Le patron des taxis est-il disponible? Du coup, par rapport à Monsieur Powell, j'ai rien à part des blessures. Il y a que moi que ça tracasse, hein? Ok, bien reçu. Merci, Gold. C'est pas... Les gars, il y a un mec qui se dit la chose. On dirait que je suis le seul gêné. La fausseuse, tu viens de brûler 5 bibliothèques en 2 tweets, bravo. Je viens d'avoir le Bob Blanc de nouveau, c'est ni lui ni ses gars, la faucheuse justement, il vient de le demander, il m'a dit. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a perdu le véhicule et l'individu. Du coup, c'est quoi le plan en attendant? Bah, déjà, on le retrouve. Là, je vais au commissariat pour voir. Ok. Ce serait pas Blake Jones? Possible. Aucun moyen de vérifier. Ouais, mais il a l'air sûr de lui hein, pour vouloir tuer quelqu'un. Sachant que c'est lui qui a déconné dans les docks, c'est pas nous. Hein. Il est pas en position de tuer quelqu'un, je vous le dis. Je confirme, le véhicule est bel et bien au commissariat. Gold okay, et... J'ai essayé de remonter sur Twitter, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à avoir d'idée. J'arrive pas à Gold comprendre et... qui ça pourrait être. Non, moi non plus, vraiment aucune idée. Je sais pas ce qu'on peut lui faire, soit on l'ignore, soit on le provoque. Eh, justement, je réfléchis là. Je réfléchis parce que ça se trouve, c'est un employé de taxi qui a rien à voir avec nous. Mais il a dit un des membres des taxis. Ça veut dire qu'il compte s'occuper d'un autre membre plus tard, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais, bien sûr. En attendant, Gold et Soufre, mettez-vous vers le commissariat en ayant la cochonnerie en visuel. Ouais, on essaye, mais c'est compliqué, on a vraiment une véhicule de merde là. Il y a de l'activité devant le Bahamas là, il y a des motards qui viennent d'arriver. Le Bahamas? Le Bahamas. Elle est où ta voiture, Saphir? Je l'ai plus. Cherchez-en une, je vais garder le cochon en visuel. Bon, écoutez, vite fait. Là, on est sur une OP, donc on va s'y consacrer. Mais à partir de l'instant où cette OP sera terminée, je vais demander à toutes les personnes chez les taxis de traîner par deux. Ça marche? Jusqu'à ce qu'on sache qui se cache derrière ce pseudo. Ça roule ou pas? Ouais. En gros, traînez-vous deux. Ouais, ça roule. Voilà. S'il y a un des mecs des taxis qui est tout seul, tu me le dis, je pourrais l'accompagner. Si c'est quelqu'un du groupe, je te le dis. Si c'est en dehors du groupe, on s'en fout. Ça marche. Je crois que le cochon s'en va du commissariat. Ok. Vous avez cochon en visuel ou pas? Pas du tout, mais on peut l'avoir. Dites-moi quand vous l'avez en visuel et suivez-le de loin. Oups là, il y a un cercle rouge sur la carte. Il a mis ça à 10h. Ah oui, un cercle rouge, ouais. Bizarre.
C'est quoi les gars? Mon c'est GPS il déconne je crois. T'es centré sur le commissariat. Ouais, j'ai regardé, ils sont très connus du commissariat. Tu recules, il est plus grand, tu zoomes sur ta carte. Ça parle du commissariat, le cochon parle du commissariat. Direction? Pas d'infos. Ouais, vous avez visuel ou pas? Ouais, on a visuel, on a visuel. Ok, je crois qu'ils viennent de démarrer. Il y a une voiture de police à côté. De toute évidence, je sais pas. Non, on peut pas savoir. Vous les suivez, je vais déclencher une sirène. J'attends quelqu'un qui revient apparemment jamais. Je crois que je vais décoller. Moi. Parking central, ils sont partis. Ils sont partis direction parking central. Moi, j'attends les instructions. Ok, j'arrive vers vous, vous êtes où là? Tu les suis, hein, Souffle. J'essaye, ils ont une putain de bagnole. Ok, je les ai. Bahamas. Ils vont aux Bahamas là? Direction Bahamas. Ok. Bon, je vais déclencher sirène et j'arrive. Non, je change de voie. Ah bah putain, il est de retour. Je les ai perdus, le putain des merdes. Ok, non, c'est bon. Ils vont vers où, tu sais? Bahamas, ils sont devant les Bahamas. Ok, d'accord, je déclenche. Ah non, ils sont pas devant les Bahamas, attends. Aucune activité devant le Bahamas, là. Ok, personne? Non, ils sont pas aux Bahamas, ils sont quartier chinois pour le moment. Ok, je déclenche Sierra. Tu les envisages ou pas? Plus de visu. Ok, j'attends. Bientôt la poison. Ouais, je prends. Ok, je les ai, ils sont Vespucci. Ok, je déclenche. Ils nous ont repérés par contre. Sierra a déclenché. C'est à nous, on peut y aller. Je sais pas si ça l'a déclenché. Si vous êtes ok pour y aller, faites-le, hein. Info, position. Aucune position, on les a perdus. Ah, voiture rouge de sport en approche, devant le Bahamas. C'est notre client. Qui se gare juste devant. Ok, en stand-by. Ok, Gold et Souffre, trouvez-vous un spot garé où vous avez le visuel sur le véhicule. Moi, je reste à proximité de Sierra et je déclenche dès qu'il décolle. J'hésite à le provoquer. J'hésite à lui dire, vas-y, viens au service taxi, on est à là. Ça va rentrer dans le Bahamas. J'ai deux questionnements par rapport à l'opération. J'hésite. Combien de personnes sont au courant qu'il a 100 000 dollars? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de monde au niveau du Bahamas pour faire quoi que ce soit? C'est pour ça qu'on ne veut pas intervenir au Bahamas. Pour le nombre de personnes qui sont au courant, c'est une discussion qui a été interceptée. Donc on ne sait pas combien sont au courant, mais nous on n'est pas. Là, il y a encore beaucoup de monde à l'intérieur du Bahamas. Hein. Est-ce que tu veux qu'on provoque la faucheuse? On lui dit qu'on est au service taxi et qu'on l'attend. Vas-y. Ouais, vas-y, réponds-lui à son tweet. Tu as un lieu en tête, c'est toi qui conduis au service taxi, on arrive. Ouais, j'ai un lieu. Ok, messieurs, faites cette opération au calme. Nous, on va provoquer la faucheuse et on va l'attendre au service taxi. Bien reçu. Vous avez de quoi? Vous avez ce qu'il faut? On a nos couilles et notre bite et on verra ce que ça va donner. Si t'as besoin de renfort, tu m'appelles. Quoi qu'il en soit, si un de nous deux se fait tirer dessus ou autre, c'est qu'ils en avaient après nous, mais on essaiera de voir un visage ou autre, ok? Prévenez-nous surtout. Gardez la radio ouverte pour le moment. Dès qu'ils arrivent, qu'on a un doute, on allumera la radio. Vous êtes sûr de voir tout séparer tout le monde comme ça? Non, faites votre opération. On est que deux, c'est moi et moi. Mais on doit élucider cette histoire. Voilà. Il y a une bagnole qui vient de partir en bas. Je lui ai dit, on t'attend sur le taxi, petite salope. Il a failli s'écouter en Mustang, c'est trop de balle, c'est pas conduire. Alors attendez, si je peux me permettre, moi, ouais, dire, on t'attend service taxi, petite salope. Donc si vraiment on revient pas vivant, on vous dira tout à la radio. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez pas une coup de main? Parce que là c'est... Non, c'est moi qui dis ça. Il a quelques points d'arrêt, putain. Allez, salut, je vous aimais, les gars. Adieu. Bon, et ben on va attendre notre énergie. Tu restes là et je vais sur le toit. Ils sont toujours à l'intérieur. Ok, je suis bien allongé sur le toit. Tu veux que je mette un tweet en plus ou pas? Ah bah vas-y. Allez, je suis allongé, j'ai mon arme. Je vois une moto au loin. Oui, c'est moi. Reste debout à côté de moi, si t'as rien à faire dans l'OP actuel. Sans l'OP actuel, sans vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, à mon avis, il est tout à fait déposé. Hein. Il était stressé en le disant tout à l'heure sur le parking. Il aurait fallu le choper à la sortie. Personne n'a vu aller à la banque. Personne. On l'a perdu un long moment. Hein. Tu crois qu'il va venir? Laissez-lui le temps de se préparer, de se dire, oh putain, il morde. Si ça se trouve, il est en train de se chier dessus, cette petite pute. Regardez bien les véhicules qui passent plusieurs fois. Hein. Parce que c'est pas la première fois là que je vois un véhicule passer. On va encore attendre un peu. On va laisser le temps de potentiellement se préparer. Je pense qu'on peut oublier le coup de cochonnerie. Ouais, cochonnerie, c'est quoi ça? Rien, c'est une opération qu'on a voulu essayer, mais... On se place niveau taxi, du coup? Moi, je vais me mettre sur la montagne, route du barrage. Vous me confirmez, vous abandonnez cochonnerie? Moi, j'abandonne cochonnerie. On peut, hein, je pense, ça sert à rien d'attendre 3 heures si... Décrochez alors, reprenez chacun vos places initiales. Vous tente pas de vous occuper de la faucheuse? Ah, c'est pour ça qu'on se déplace? Non, je suis avec Souf, on peut venir si besoin. Je suis sur la montagne, en face du dépôt de taxi, j'observe. Okay, je cherche une voiture et je suis à la disponibilité de tout le monde. Bon, ça parle beaucoup, la faucheuse, mais ça fait pas grand-chose. Ouais. C'est quoi, ça, la faucheuse? Quelqu'un qui veut vous buter ou quoi? Quelqu'un qui nous a provoqué Twitter. Regarde sur Twitter. D'ailleurs, non, va mettre un petit like. Non, va mettre un petit like. Ah, la faucheuse, elle arrive. Regardez. Voiture de police qui arrive. Ah, c'est la faucheuse. J'ai rangé ça très vite. Bonjour, c'est vous la faucheuse. Eh, bonjour, messieurs, dames. Quelqu'un. Eh non, c'est pas moi la faucheuse. Merde. Je vais voir les coordonnées, est-ce que c'est un piège ou pas. J'y vais en D'ailleurs, en parlant de ça, on vient faire un petit tour pour voir si tout se passe bien quand même. Oh, bon, on attend la faucheuse et puis on va lui mettre une petite balle dans la tête, tout simplement. Donc tout se passe plutôt bien. Mais non, il ne faut pas faire ça. Deux balles dans la tête alors? Mais non, trois. Ah, une dans la tête, une dans les genoux.
genou et une autre dans le torse. Ouais. D'accord. Bah, on non, ça dans sous les coordonnées aussi. On et plus sérieusement, vous n'avez pas des informations sur quel bon, employé pourrait être ciblé hein. Ok, je vous laisse y aller. Je on lui a demandé de venir, on était là. Je suis en civil avec ma camionnette. Vous savez qui c'est? Je traîne dans le coin, s'il y a besoin. Non, vous savez qui c'est? Ben non, et vous? Bah non, et vous? Ben... Non, et vous du coup? Bah non. Ah ok. Et vous pouvez amener une petite enquête là, pour savoir qui c'est? Quartier Barras. On va demander au gouvernement de voir, de retracer, de demander à Twitter de nous passer l'identité ou même l'IP. On ou est bon joueur, quoi, on va se débrouiller tout seul, ne vous inquiétez pas. C'est ça je pense. Mais on est là monsieur, on va s'occuper de ça. Bah écoutez, on lui a demandé de venir. Donc faites un tour comme si de rien n'était et puis on vous tiendra au courant s'il se passe quelque chose. C'est ce qu'on fait de toute façon. D'accord, très bien. Éloignez-vous un peu quand même, laissez la personne venir. Ok, je suis un gesteur, non, je suis opérationnel, monsieur. On va la choper. Ok, fais attention, il y a la police au taxi. Bon, et du coup, en tout cas, si vous avez la moindre information, surtout, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Très bien, merci, monsieur. Peu cher, le maire, les calenques. Et voilà, exactement. Allez, merci beaucoup, LLOM. Okay. Bonne soirée. Et la prochaine fois, ramenez du pastaga. Hein. Petite question, messieurs. Mais pas de soucis, je viendrai avec ma fiole. Mon nouveau pseudo. Allez, à bientôt. Ça fait un peu avec Crispano, j'aime bien, moi. Bonsoir. Ouais, mon actrice pour nous. Une putain de bécane qui fait des tours sur l'hippodrome. Non, c'est vrai? Ouais, je me casse. Mmh. Excusez-moi. Il y a un hélico qui va se planter dans à peu près 200 mètres, je pense. Une moto jaune faire des tours sur les hippodromes. Ah bah, vu comment il a évité la ligne électrique, ouais, à mon avis, il va pas tarder à se planter. Je pense que c'est pas très autorisé. Un hélicoptère un peu bizarre. C'est un autre district. C'est pas la police. Enfin, c'est la police, mais c'est pas la police aussi. Pas mal d'agents devant hélico de la police au-dessus des taxis. Je viens de me faire interpeller par deux mecs qui parlent comme ça de la police. Ah putain, c'est 13. Envoie un autre tweet. Tu dis, on s'ennuie là. C'est bon. Regarde ce que j'ai envoyé. Parfait. Fais chier, Théo. Il y a la police qui vient de me réinterpeller en me demandant si j'étais la faucheuse. Likez le tweet de moi. Ouais. Ah oui, non, ils sont super discrets, mais ils sont débiles ou quoi, putain. Oui, ils sont très discrets. Oui, il y a un petit peu. Bah, c'est les mecs comme ça. Hey, monsieur Clark, vous êtes la faucheuse hein? Dis-leur d'être moins débile. Et il est parti où, Sylvain? Radio à faire un tour. Ah d'accord, parce que tu pars comme ça, tu dis rien toi. Ah bah je me fais arrêter par les flics. Voilà, et hop. Il y a un mec qui se barre du parking à toute vitesse. Il avait la tête devant. Ouais, il y a une espèce de golf toute pourrie là. Il y a un mec qui vient de partir. Si je peux me permettre, moi, t'as vraiment une petite tête sympa sur Twitter. De l'action devant les taxis. Je vous dérange pas. Messieurs, il commence à y avoir de l'activité près de chez nous, vraiment. Bah vous m'entrez dedans deux fois de suite et vous dites rien, vous vous arrêtez même pas. Là, il y a beaucoup d'activité par contre. Regarde sur toi, chez les bikers. Bah vous me voyez pas, non, bah moi je vous vois très bien et mon ami vous voit très bien aussi. C'est qui sur toi, chez le biker? En hauteur, il prend une photo. À la sortie, il y a deux minutes, vous m'avez pas attendu, vous m'avez pas rentré dedans par hasard. Il est chez le zoom de son téléphone pour regarder. D'accord, vous êtes qui, dites-moi? 103. Radio, fais attention, s'il te plaît. C'est des bikers, sur le toit des bikers. Bah, je vous demande juste votre nom. Okay. Je veux pas plus, c'est tout. Vous me rentrez dedans comme ça et vous me pensez que je vais vous laisser partir normalement. Eh, hey, nique-lui sa mère là, s'il casse les couilles là, on arrive nous. Nique-lui sa mère, putain. Sors ton flingue, tu lui mets sur la tempe, chien là. Dis-nous, t'es où? Ouais, dis-leur. Il commence à y avoir d'activité à mon goût là. C'est parce qu'avec lui l'un l'autre. Hein. Ouais, j'en sais rien, c'est l'autre qui se. Il se barre. Bah bon, moi j'ai pas attendu à l'hôtel. Hein. Interceptez-le au pire. Je le prends en chasse. Messieurs, il commence à avoir beaucoup d'activités. Mais les bikers commencent à bouger. Je vais voir les bikers, j'ai appelé un des gars. Je vais avoir des infos pourquoi ils prennent des photos. Ouais. Je vais voir le. C'était juste pour vous prévenir, mais bon, ce que je vois, ça a rameuté toute la cavalerie. Peut-être c'est la deuxième voiture de police. Très discret. Ah, bah y'en a deux maintenant. Encore plus discret. Et sérieusement, quoi. Il y a ses carrés devant lui. Ouais, oui, carrément. Ils sont cons, putain, bon. C'est pas vrai. Bah, il viendra pas là. Eh, c'est qui Joe Pastel? C'est un employé. Regarde ce qu'il t'a dit, il t'a rien dit. C'est quand même louche d'envoyer. Est-ce qu'un certain Neil Caffrey vous dit quelque chose, monsieur? Oui. Attends, je vais lui répondre. Ok, nous on a arrêté un gars au casino, il voulait voir si le casino était ouvert. C'est bizarre. Van Jaune. Oui, une erreur. C'est très très bizarre. Ouais, je l'ai en bisou, le Van Jaune. Il y a les flics devant lui, devant le. Non, mais je pense qu'il est interpellé par les flics, le Van. Ok, prends une photo du gars dans. Je vais aller foutre la merde. Ouais, prends une photo. Je suis un taxi qui est parti du dépôt là. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour. Ouais. Vous êtes la faucheuse? Non. Qu'est-ce que vous attendez monsieur? J'entends rien, je suis en train de régler le radar en fait. D'accord. Mais vous pouvez vous mettre un petit peu plus loin en attendant une faucheuse. Ouais, je sais. Voilà. On est quand même là aussi pour la faucheuse. Hein. Ouais, mais là elle viendra pas monsieur si vous êtes devant en tenue de flic dans une voiture de flic. Pourquoi elle viendrait pas qu'elle porte ses couilles cette. Un Martin Toreado, ça vous dit quelque chose, monsieur? Elle porte pas ses couilles cette faucheuse parce que ça a l'air d'être une belle. Absolument pas. Donc, mettez-vous genre juste de quoi entendre des coups de feu et de quoi intervenir, mais
Cachez-moi un peu si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi vous avez une arme sur vous? Essaye de savoir ce qu'il foutait là. Écoutez, parce qu'il monsieur... va peut-être donner une autre version flic. Mais bon, si on se fait tirer dessus, vous aurez le signal. Vous voyez ce que je veux dire? Il retourne direction les parkings. Vous êtes bizarre un peu, monsieur. Le Van John? Ouais, ouais. Il continue sa route. Il est suivi par les flics. Je suis agent combien? C'est un peu bizarre ça comme question. Bah, votre numéro là? 89. Il est parti direction autour. Je suis en com' maintenant. Chargé véhicule. Parce qu'il sait que j'étais en Manchester. Je suis sûr, merci. Ah, c'est le taxi. T'as montré? Non, ce monsieur allait se mettre dans une rue un peu plus à couvert. Ouais, c'est une bonne rue. Allez, passez une bonne journée, monsieur. J'arrive sur la position que tu m'as envoyée, Silver. Il est trop chelou. Ah, ouais. Attendez, tu sais quoi, je vais le balancer. Il était bizarre. Checker Twitter, checker Twitter. Le gars il s'est trompé de compte, on sait qui c'est. Quoi? Regardez tous Twitter. Il est plus là, ça sert à rien de venir. C'est Joe Pastel? Je vois pas, c'est qui? Joe Pastel, ce schlag, on l'a déjà croisé où, putain? Mais il travaille chez Taxi. Il travaille pas chez con. Taxi. T'es sérieux? Attends, il est en service? Vérifie si son véhicule il est dehors, je viens de croiser un taxi là. Je crois pas qu'il est dehors parce qu'il s'était volé par Blood, le taxi. Non mais je te l'avais dit, hein, Mo. C'est sûr, il s'est gouré, c'est Joe Pastel. Retrouve-le là. Je sais pas. Si. Il faut vérifier la piste. Mais tu réponds pas à un tweet comme ça pour mettre du vent et tu dis pas oui, c'est une erreur comme ça. Faites marcher tous vos contacts là. Le mec s'est fait arrêter actuellement, le Nicky, je sais pas quoi là. Bah les couilles, il faut qu'on se convoquer sur Joe Pastel. Monsieur Joe Pastel pour menace de mort. Je pense que c'est le cas pour le SPD à convoquer Joe Pastel. Vous pouvez vérifier. Il faut les vérifier. Il nous faut l'information. Je pense pas. Hein. Je pense que Joe Passé, il a juste voulu liker le post et il s'est raté. Véhicule en arrivant se veulent les taxis. Hein. Ouais, bon, écoute, soit c'est Joe Passé, soit de toute façon la franchise. Mais en fait, pourquoi il a répondu quoi? Oui. En fait, il a tag Mo et je pense qu'il a voulu répondre à Mo, il s'est trompé. Il s'est trompé de compte. Non, mais c'est simple. Soit il s'est trompé, effectivement, soit c'est réellement une erreur, mais la faucheuse n'en reste pas moins une salope. Mais c'est vrai que le Joe Pastel, c'est le premier truc que j'avais dit à Mo, ça, c'est bizarre. C'est pour ça qu'il faut les choper et en savoir plus. Ouais, on va le retracer. C'est vrai que le Speedy réquisitionne son téléphone. C'est le premier qui m'a appelé pour signaler le tweet. Ah ouais? Pendant même où il était posté. Ah bah, c'est il est cramé à Il a une voix comment? Est-ce qu'il a une grosse voix grave? Non, il a une voix de pédale. Ok, c'est lui. Ok, d'accord. Mais par rapport à d'autres personnes que toi? Non, un pédale, il t'a dit. C'est quoi sa plaque d'immatricule? Bah, c'était la même que la mienne. La même que la tienne? Et c'est quoi la tienne? Oui, vu qu'on n'a pas cette taxi. Et c'est quoi la tienne? UZB309. Il y a un gars dans une Porsche noire qui fait un peu le fou dans le quartier des taxis. Ok, c'est moi, le taxi de monsieur Joe Pastel est bien rangé. Ouais, hein. Je m'as pas reconnu. Ouais, je sais. Il est rangé. Oui, vu quoi, ce tour de balle? Il est rangé, ouais. Ok. En fait, on fait que de se croiser nous, quoi. Il ressemble à n'importe quel pecno de la ville. Hein. Non, le mec qui s'est arrêté, c'est pas moi, hein. C'est le mec que j'ai braqué. Une voiture qui vient de se garer là, en faisant de marche arrière au niveau du Comico, c'est qui? C'est moi. Ok. Tiens, mais il m'appelle. Ah! Monsieur Pastel, allô? Viens venir au service taxi. Je vais demander aux bikers s'ils connaissent Joe Pastel. Dès le venir. Oui. Ok, Moyo, téléphone avec lui là. Il l'a appelé, comme par hasard. Ok, d'accord. Il arrive au service taxi. Ok. Et les Speedy qui arrivent en trombe. Et les Speedy, deux véhicules. Une moto. Ok, ils vont au parking, le parking casino. Bon, t'en penses quoi toi, Mo? Je sais pas. Je vais aller faire un tour. La moto repart. Moi, il m'est arrivé plein de fois voir un tweet, vouloir répondre une connerie ou soutenir et comme un con effacer le message et que ça envoie un message. Deux voitures de flics avec une voiture arrêtée. Te soutenir en quoi? La moto arrive, deux motos, deuxième moto qui arrive. En tweet. Nickel. Oui, c'est vrai, t'es deux tweets. Même j'ai percé sur Twitter, de toi les pédales. T'as percé, t'as fait une tété, gros. Je vais aller jeter un œil, messieurs. Mais qu'est-ce que vous l'auriez fait? Qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait le pousser à voir où tu es? On va lui poser la question. Peut-être qu'avec un flingue sur la tempe, il va répondre. Ouais, ils ont sorti le grand jeu, hein. Normalement, ça marche bien. Deux voitures, en deux motos. La voiture est éclatée, hein. En tout cas, la faucheuse, c'est une belle salope, hein. Non, mais on en entendra parler dans deux semaines. Attends, le gars, il est censé venir. Mais il était où? Il y a un taxi qui arrive. Attends, il n'a pas pris son taxi. Bonjour. Joe. Bonsoir. Vous m'avez convoqué, du coup. Oui. Voilà. Bah ouais. Tu t'es mis dans une sacrée merde, donc, Gourand, tu voulais faire quoi sur Twitter? Non, bah, je venais de créer mon compte et c'était une bourde, enfin, voilà. D'accord, tu voulais faire quoi? Non, je voulais rien faire, c'est juste que je voulais... Donc t'arrives à tweeter en voulant rien faire? Bah, j'ai créé mon compte et je sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone parce qu'il déconne en ce moment et ça a mentionné Monsieur Van Teng. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Depuis mercredi. Ok, pourquoi ton taxi? T'as pris quel taxi là? Bah, je vous avais appelé monsieur justement... Parce que t'as le taxi UZB, on est d'accord? Ok, oui. On est respecté. Bah, tu sais qu'il s'est dans le garage. Ah bah, j'avais mis un message au gouvernement justement pour qu'il fasse quelque chose et justement, bah, avant que je vous appelle, il n'y était pas justement.
Est-ce que quelqu'un veut ta mort? Un véhicule LSPD qui est reparti. Est-ce que quelqu'un veut ta mort? Ah non, bah j'ai rien fait dans la ville. Ouais, mais comme tout le monde ici, personne n'a rien fait ici. Non, mais c'est comme si j'étais nouveau, c'est ça que je veux vous dire. Ouais, on est tous nouveaux ici. Donc, tu penses que la faucheuse parlait à qui? Le mec s'est fait arrêter, il l'emmène à la LSPD. T'as une identité, quelque chose? Non, il a dit qu'il s'appelait Nicky Larson, mais forcément ça. Ce que j'ai rencontré, c'est... Ok, une moto RSPD qui repasse devant les taxis. Deux patrons. Une seconde moto. Là, ah non, d'accord, il poursuit une autre moto, je crois. Qui s'est fait embaucher en même temps que moi la semaine dernière. Il passe devant les taxis bikers. Ouais, je crois que c'est une moto qui suivait. Potentiel nouveau shérif, Mike. Ils sont arrêtés devant. J'ai rencontré. Oh putain, c'est qui ça? Ok, très bien. Restez avec moi, il a 2-3 petites questions à vous poser. D'accord. Alors, monsieur, il a l'air crédible? Oui, oui. Bon. Bah faites attention à vous alors, parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'entreprise. Ouais, je confirme, il tourne autour, on pousse des deux motards et policiers devant les taxis. Je préviens vous deux du coup, et puis la police. Ouais, et évitez de vous foirer sur le Joe Pastel, il est au taxi là. Non, je vais éviter d'y aller, vu les emmerdes que j'ai. Messieurs, c'est qui un homme chauve dans une sultane noire sur le parking hippodrome? Bon bah vous pouvez y aller. Bon bah du coup, je vais reprendre mon taxi. Non, non, c'est moi qui suis. Bah non, il est blanc, Jay, c'est pas toi. Si, c'est moi, je suis chauve dans une sultane, c'est moi. Bon, c'est toi la comète que je vois en face de moi là, que je fais un appel de phare. Bah écoute, si cette salope elle vient pas, on va s'en aller. Ouais, on va pas tarder. Ici, boss. On va rentrer à l'hôtel, elle a pas l'air de venir et elle viendra pas à mon avis. Aucune idée de qui ça peut être, mais sûrement une salope. Donc voilà messieurs, message passé ou pas? Ouais, message reçu, on va quitter la ville aussi. Je comprends pas, vous n'avez pas vu Joe Pastel au taxi? Si, il est venu. Ah. Mais ça a pas l'air d'être lui, il a l'air juste un peu teubé. Il est convoqué au flic là, le Pastel. Oui, bah ouais, forcément, parce que ça fait un bad buzz sur Twitter. Je miserai pas une pièce sur lui, enfin si c'est lui qui lui menace de mort, la seule menace c'est qu'il va se foutre en l'air, mais ça s'arrête là. Donc on en sait pas plus, si vous en savez plus, on se partagera les infos bientôt messieurs, ça marche? Ouais, bah retour à l'hôtel. Retour à l'hôtel. Et bienvenue à vous tous, bisous.